leader des confessions religieuses, ont un rôle à jouer dans la sensibilisation de leurs fidèles à payer les impôts et taxes dans les activités commerciales. C'est le but d'une réunion de sensibilisation et d'échange sur le civisme fiscal qui a été organisée ce mercredi par l'Office burundais des recettes au chef-lieu de la province Makamba à l'endroit des leaders des confessions religieuses, comme l'indique Léopold Kabura, commissaire adjoint à Robert. À Robert, nous avons un plan d'action des activités que nous devons faire. Et dans ce plan d'action, il y a une activité qui s'appelle l'éducation des contribuables au civisme fiscal. Quand nous sommes en train d'accomplir cette activité, il y a des groupes cibles. Aujourd'hui, donc, nous avons ciblé les confessions religieuses. Dans les comportements des représentants des confessions religieuses, de temps en temps, il y a des activités qu'ils accomplissent. Et ces activités sont souvent génératrices de revenus. Vous avez déjà vu que souvent, ces confessions religieuses ouvrent des magasins, des boutiques, des hôtels, des ateliers, etc. Elles aussi, donc, les représentants de ces confessions religieuses doivent elles aussi payer l'impôt. Vous voyez donc qu'ils ont besoin d'avoir un numéro d'identification fiscale, communément appelé NIF. Ils ont besoin d'avoir un registre de commerce s'ils accomplissent le commerce. Nous sommes en train de leur donner donc cette éducation afin qu'elles aussi puissent contribuer au développement du pays en payant l'impôt. Monseigneur Martin Blaise Nyaboho, évêque de diocèse anglicane de Makamba, est prêt à persuader les fidèles de sa diocèse afin qu'ils puissent se conformer à la législation fiscale. Nous nous engageons comme Église à respecter les recommandations et les résolutions issues de cet atelier, le premier atelier que l'Office burundais des recettes vient de faire avec les confessions religieuses. Vous voyez déjà, Robert a 10 ans. Mais c'est pour la première fois que Robert rencontre les confessions religieuses. À partir de maintenant, nous avons un bagage, nous avons des connaissances, nous avons tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions lutter contre la fraude. Dans nos églises, il y a des membres, il y a des commerçants, il y a des membres de nos églises qui font des affaires ici et là. Donc nous sommes conscientisés à les persuader à éviter la fraude. Puisque nous avons remarqué que la loi, le règlement de l'Office burundais des recettes est complémentaire au règlement de Dieu, à la loi de Dieu. La loi de Dieu dit respecter tous ceux qui doivent être respectés. Donner les taxes à ceux qui en ont les compétences, à ceux qui en ont l'autorité. Donner les impôts à ceux qui doivent percevoir des impôts. L'atelier de sensibilisation et d'échange pour le civisme fiscal s'inscrit dans le programme de l'Office burundais des recettes à cibler certaines catégories déjà potentiellement susceptibles de promouvoir le civisme fiscal au sein de la population.